Vous êtes sur la RTNC, il est temps de vous informer à la une de ces lundis. De salles de classe en feu, deux élèves en train de sauter pour sauver leur vie, le lycée Mwanga Kolwezi en feu. Certains élèves seraient bloqués dans le couloir, une scène digne d'un film d'horreur. Blaireau Kajam sera avec nous depuis la ville de Kolwezi pour plus de détails. Et puis, la scène paraissait irréelle à l'époque, le 24 avril 1990. Mobutu pleura devant le caméra, fin du parti unique, le multipartisme réinstauré sous le larme du roi de Kaoulé. 33 ans après, vous allez le revivre dans cette édition. Et en culture, il y a 7 ans que le village Molokai est resté sans Papa Wemba Bakala Diakouba. C'est à Abidjan que le courroux avait rendu l'âme, arme à la main. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisi. C'est peut-être un lundi noir pour le Lualaba. De salles de classe en feu, deux élèves en train de sauter pour sauver leur vie. La scène se déroule en pleine journée de ces lundis. Le lycée Mwanga Kolwezi en feu. Certains élèves seraient bloqués dans le couloir. Une scène digne d'un film d'horreur. L'origine de l'incendie demeure floue. Pas de bilan officiel, mais d'énormes dégâts et de dizaines de blessés seraient enregistrés. Puis dans le même chapitre, pas de mort jusque-là, la situation a été maîtrisée. Je nous prie de suivre à ces propos notre correspondant sur place, Blaireau Kajam, joint au téléphone par Oscar Mbalkaïj. Aux environs de 9h, que les élèves, 9h de ce lundi 24 avril, bien sûr, que les élèves du lycée Mwanga, de la congrégation des sœurs chanoinesses de l'église catholique, ont été surpris par un incendie. Il est parti de l'internat jusqu'à ravager l'école primaire et secondaire. Jusque-là, on évoque un court-circuit qui en serait à la base. Pour échapper à cette fournaise, on a vu beaucoup d'élèves qui ont sauté du haut de l'immeuble à la hauteur d'environ 3 mètres avec tous les risques possibles. Et en vivant de cette situation, les autorités ont été alertées et ils ont fait le déplacement de cette école pour se rendre compte de cet événement et avoir toutes les informations possibles. C'est notamment le ministre provincial de l'Intérieur, Deodar Kapenda, celui de l'éducation, celui de l'énergie, le bourgmestre de la commune Manika et le maire de la ville de Kolwezi. Fort heureusement, il faudra dire que une entreprise minière de la place du nom de KCC, Kamoto Copper Company, a envoyé ces camions anti-incendie qui sont venus en appui à ceux déployés par la commune Manika et la mairie de la ville de Lubumbashi, avec toute une expertise qui a accompagné cela. Le bilan fait état d'une trentaine de blessés qui ont été acheminés dans différentes formations sanitaires. Mais à présent là, tout a été maîtrisé, le feu a été maîtrisé et les élèves sont rentrés à la maison. Tous les parents sont arrivés sur le lieu de l'incendie pour récupérer chacun en ce qui le concerne son enfant pour rentrer avec lui à la maison. Donc jusque-là, il y a des cas de traumatisme qui sont dans différentes formations sanitaires qui demandent un peu de temps pour qu'on puisse les récupérer. Je le disais en titre, la scène paraissait irréelle à l'époque. Le 24 avril 1990, Mobutu, le roi du Zaïre, pleura devant le caméra. Fin du parti unique, le multipartisme réinstauré sous le larme du roi de Kaoulé, Jacques Ababa. Devant ma conscience de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. 24 avril 1990, 24 avril 2023. Cela fait exactement 33 ans depuis que fait président Joseph Désiré Mobutu avait prononcé son discours de l'Antélé dans la partie est de Kinshasa, ouvrant ainsi le pays au multipartisme et donnant un nouveau souffle au processus de démocratisation de la RDC, alors Zaïre à l'époque. Ces discours historiques ponctués de quelques larmes du président Mobutu, suivis de la célèbre formule « Comprenez mon émotion ».
continue de résonner à ce jour aux oreilles des Congolais en ce qui a marqué le début d'un long processus d'ouverture du pays au pluralisme dans ses différentes facettes, jusqu'à faire de la RDC aujourd'hui l'un des pays africains où la démocratie se porte mieux. Le discours du 24 avril 1990 est et restera l'un des moments forts de l'histoire politique de la RDC. Pour certains politologues, c'est le point de départ du processus de démocratisation qui a aujourd'hui donné à la RDC trois cycles électoraux avec une alternance pacifique à la tête du pays, faisant d'elle un État respectable à l'échelle mondiale sur le plan des progrès démocratiques. On ne peut pas penser à la date du 24 avril 1990 sans faire allusion à la société civile et à l'opposition politique, avec en tête d'affiche les Sphinx délimités, Étienne Tshisekedi wa Mulumba qui exerçait une pression considérable sur le régime du feu président Mobutu. Puisque cette date si significative du 24 avril constitue toujours un moment d'arrêt pour des Congolais afin d'évaluer les chemins parcourus sur le plan du progrès démocratique et de développement et mieux projeter l'avenir. Et puis, le 24 avril 2016, l'icône de la musique congolaise s'est effondrée en plein concert, arme à la main à Abidjan. Il y a 7 ans que le village Molokaï est resté sans Papa Wemba Bakala Diakouba. Concerts et autres activités sont prévues déjà ce lundi à Matongé, dans la commune de Kalamou, en hommage au roi de la Sape. Suivez. Papa Wemba a démarré sa carrière musicale au sein de l'orchestre de Zaïko Langalama. En 1969, cet icône de la musique congolaise a collaboré avec Taboulé et Rocherou, où il a connu des hauts et des bas, fonde son propre orchestre Vive la Musique, qui vive la musique ainsi. Dans ses créations, l'opinion notera que Papa Wemba est créateur de la mode, de la SAP, société des ambianceurs et personnes élégantes, et la musique afro-pop dans le monde musical. Papa Wemba, un bon acteur du cinéma, comme le témoigne le film La vie est belle d'Ngangwa. Chungwe Mbadio a eu à réaliser quelques tableaux comme artiste et peintre. Silicone a disparu de la scène de la vie physique. Sur Baobab demeure à jamais sur celle de l'art, de la musique, de la SAP, une icône immortelle. Virginie Ofembe, qui l'a rencontré quelques heures avant de s'envoler pour Abidjan, où il va s'écouler sur scène le 24 avril 2016 au festival de musique urbaine. Possible de voir une piscine olympique abandonnée, de studios hors usage, de paillotes en état de délabrement avancé. Le site touristique de l'Ancelet qui faisait la fierté de toute une nation n'a que l'ombre de lui-même. Kinshasa est connu pour ses nombreux sites touristiques dont celui de l'Ancelet. Seulement, le site touristique de l'Ancelet fait aujourd'hui figure des parents pauvres, eu égard à la vétusté de ses infrastructures. Situation qui ne favorise pas l'attraction des touristes et autres visiteurs. La descente sur le terrain du ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu a redonné un brin d'espoir. À la clé, la réhabilitation à court terme des 80 studios, le curage des étangs et le repeuplement en poissons, la signature d'un mémorandum d'entente pour la rénovation de la piscine et ses annexes. Le tourisme étant un secteur prometteur de croissance économique, il fait partie de la stratégie du gouvernement congolais pour la diversification de son économie. Le tourisme doit donc servir à l'amélioration de l'image du pays. Le tableau est encore plus sombre au niveau des paillotes présidentielles où feu maréchal Mobutu avait prononcé son discours historique en 1990. Au problème des infrastructures s'ajoute l'impaiement des agents depuis 3 ans, a rappelé le directeur général du site touristique de l'Ancelet, Symphorien Mtumba Mutombo, qui a salué l'engagement du nouveau patron du tourisme de faire rayonner à nouveau ce site. Le secrétaire général au tourisme, le directeur général du site et l'ensemble des agents ont promis de l'accompagner afin que renaissent de ses cendres les sites touristiques de l'Ancelet, dont la création remonte en 1997. Dans l'actualité également, de constructions anarchiques aux alentours de l'hôpital de Kitambo sont à la base des inondations dans le quartier Bassoko. Selon les habitants, la population opte pour une démolition. Vous verrez dans ces reportages de Ridiski Toutou, une maison construite juste en face de l'entrée de la morgue. Suivez.
C'est un tableau désolant, des constructions anarchiques au vu et au su de tous. Nous sommes dans le quartier Bassoko, non loin de l'hôpital général de Kintambo, dans la commune qui porte le même nom. À ce jour, le lit de la rivière Bassoko est rétréci à cause de l'incivisme d'une catégorie d'individus qui ont décidé de construire sur cette zone non édificandi. Conséquence, inondation de cette partie de la ville province Kinshasa en cas de pluie, les habitants de ce quartier lancent un cri d'alarme au ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Nous sollicitons la démolition de ces constructions anarchiques pour permettre le coulement des eaux de la rivière Bassoko. Nous n'avons jamais vécu auparavant cette situation des inondations. Nous lançons un appel au ministre des Infrastructures et Travaux Publics afin de démolir ces constructions. Des mesures urgentes s'imposent. La démolition sans condition de ces constructions sur le lit de la rivière Bassoko. Le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Affaires foncières, l'hôtel de ville de Kinshasa et la police se mettront à pied d'œuvre à rassurer Alexis Guissaromouvouni. Ces moellons que vous voyez qui obstruent ou bien qui rétrécissent le lit de la rivière, qui les a construits, en tout cas ce n'est pas l'OVD. Alors, nous nous posons la question aujourd'hui, qui donne ces autorisations? Comment est-ce que l'État va intervenir, l'Office de voirie et de drainage va intervenir ici pour sécuriser les habitations des personnes lorsque des individus s'arrogent le droit de construire sur des endroits où ils ne sont pas censés construire? Avec conséquence, c'est que ça crée des inondations en amont. Ça, ce sont des choses dont nous devons, en tant qu'État, prendre des mesures exemplaires, draconiennes. Donc, tout ça, c'est la Mpunda. Ce cas de Kitambo illustre bien la problématique de drainage et des assainissements de la capitale Kinshasa. Il faut imposer la loi, a conclu Alexis Guissaro, ministre d'État des ITP. Allez, essayons de parler quelques mots en anglais dans ce journal. Think Tank Mzoto, c'est plutôt un cadre de concertation à l'écoute de la jeunesse lancé par la coordonnatrice de services spécialisée du chef de l'État, Chimène Dondo. Au-delà d'une simple détermination, la mobilisation était tous azimuts. Thanks Minzoto, cette plateforme vient de voir le jour ce samedi à Kinshasa, devant la représentation de la crème intellectuelle de jeunes issus de toutes tendances politiques ainsi que de la société civile. Elle a pour objectif de fédérer les idées entre les jeunes afin de recenser les desiderata de la jeunesse et proposer des pistes de solutions à la présidence de la République, car la jeunesse demeure incontestablement la source disponible dont le poids démographique s'avère impérieux, mais surtout un véritable blason pour la République démocratique du Congo. En tant que génitrice de cette belle initiative, Chantal Yelomoulop explique le bien fondé de ces projets. Le think tank appelé Mizoto, c'est une table de concertation des jeunes. Et il était vraiment important que les jeunes se rapprochent de plus en plus du président de la République. Il y a eu des concertations, il y a des mouvements de jeunes qu'on a pu voir, mais il fallait rassembler tous ces jeunes-là autour du président de la République où les jeunes vont pouvoir avoir un dialogue avec le président de la République, mais en mettant en place de processus. Et ces processus sont, par exemple, un qui est le Calling Center, où les jeunes vont appeler pour parler de leur bonheur, de leurs difficultés, ou bien s'exprimer de toutes les manières. Et de l'autre côté, il fallait avoir un podcast, une radio digitale, qui va permettre aux jeunes de pouvoir venir et aussi créer des émissions sur la situation des jeunes. C'est seulement avec les jeunes qu'on peut développer ce pays ici, mais pour cela, il faut qu'on puisse avoir un cahier de charge sur les situations de la jeunesse et savoir exactement quelles sont leurs frustrations et trouver les solutions. Plusieurs figures emblématiques ont été présentes à cette cérémonie haute en facture. Allez, on change de registre. Un programme spécial excellentiel à la Bora a été lancé. Initiative du gouvernorat de cette province en collaboration avec la fondation Denise Nyakeru dans le but de créer une élite locale capable de contribuer à l'émergence du Lualaba. Retour en image. Se former pour bâtir chez soi, c'est l'esprit de ce programme spécialement conçu
pour la province minière du Lualaba. L'option est celle orientée vers un besoin spécifique, celui de l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre locale dans les entreprises minières. Pour réaliser cette ambition mesurée, la province du Lualaba s'est confiée à l'expertise avérée de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi pour mettre en œuvre le programme Excellence à Lualaba Bora. La province, sous le leadership de son Excellence, Madame la Gouverneure, a pris des contacts avec la Fondation Denise Nyakiru pour accompagner les jeunes qui auront la bourse pour faire des études dans des filières particulières, ici en l'occurrence les filières du secteur des mines et carrières. Il est question de mettre les jeunes en position utile par rapport aux mines que nous avons, par rapport à l'exploitation. Il faut que des jeunes puissent avoir une formation certifiante qui leur permet d'être compétitifs. Avec des filières bien ciblées et un critérium non complaisant, ce programme suit la droite ligne du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi, qui en 4 années a placé plusieurs jeunes Congolais sur le chemin de leur destinée. Parmi ceux qui ont pris part ce dimanche au test de sélection organisé à Kolwezi par la Fondation, figurent les lauréats de l'examen d'État des éditions 2021 et 2022 ayant obtenu 70%. Il est spécial parce qu'il vise une province avec une particularité sur les options à faire. Lorsque vous avez 85% à l'examen d'État, nous, au niveau de la Fondation, nous vous accompagnons. Mais cette fois-ci, au niveau provincial, il y a des options précises où la province attend une main-d'œuvre. Et donc, c'est spécial parce que c'est spécifique en termes d'objectifs, en termes de besoins de développement, et on va rester que dans ce cadre-là. Ce nouveau programme Excellencia Lualaba Bora va non seulement permettre à la province de se doter d'une main-d'œuvre locale qualifiée, mais aussi et beaucoup plus, des hommes et des femmes intègres, capables d'exploiter et protéger les richesses du pays. Pendant ces temps, l'Assemblée provinciale du Haut-Uele s'aligne derrière le chef de l'État et s'engage à œuvrer pour un second mandat du président Félix Tshisekedi. Son président l'a dit au cours d'une conférence de presse. L'ultime du premier forum consistait à l'éveil des consciences pour l'émergence politique et socio-culturelle de tous les filles et fils de l'ex-Grande Orientale. En vue d'y parvenir, les filles et fils de la Grande Orientale apprenaient l'unité, l'amour, la cohésion, la fraternité. Raison de la convocation du deuxième forum tenu à Kinshasa, dénommé la dynamique des leaders politiques et communautaires de l'ex-Grande Orientale, ayant débouché à la déclaration du soutien total de la candidature du président de la République. Nous avons cité son excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les élections de 2023. Toute la province du Haut-Uele est alignée dans l'union sacrée de la nation et prête à battre campagne pour la réélection de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et les gens s'invitent aussi dans cette édition de jeunes, au total 120 interprètes. Prêtres volontaires sont formés en technique de langage de signes à Butembo. Plus de détails dans ces reportages. L'initiative de l'Église adventiste du 7e jour pour la formation des 120 jeunes volontaires interprètes en technique de communication par le langage des signes a connu une grande affluence avec plusieurs personnalités venues assister à l'événement à l'église MGL de adventistes de Butembo. Comme cible, il s'agit des personnes malentendants, les sourds-muets, les aveugles et les personnes à mobilité réduite, lesquelles ne se sentiront plus désormais ignorées dans la société au sein de laquelle ils vivent, les événements qui s'y déroulent, nécessitant nécessairement la compréhension, la participation de tous pour une mobilisation générale autour de l'exécution des projets sociaux. Bien entendu, ce sera aussi une occasion de leur partager les enseignements de la bonne nouvelle contenue dans les Saintes Écritures et les amener ainsi comme personnes mises en marche à une autonomisation par un entrepreneuriat adapté à leur handicap.
La formatrice s'est déplacée de Goma pour ce séminaire de formation en langage des signes, laquelle sera étendue à toutes les paroisses de la communauté adventiste disséminées à travers la province du Nord Kivu. Le Monde a célébré le 23 avril la journée internationale du livre dans le but de protéger la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. La communauté internationale célèbre le 23 avril de chaque année la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur initiée par l'UNESCO dans l'objectif de rendre un hommage mondial au livre et à ses auteurs et encourager chacun, en particulier le plus jeune, à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter l'irremplaçable contribution des créateurs au progrès social et culturel. Le thème choisi cette année est les langues autochtones. Les livres sont des vecteurs essentiels pour transmettre et promouvoir l'éducation, la science, la culture et l'information et y donner accès partout dans le monde. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les Congolais ne lisent pas parce que nous sommes dans ce secteur, ça fait un bon moment. Nous avons trouvé des gens qui étaient là. Avant eux-mêmes, il y avait déjà des gens depuis des années 50, 60, il y avait déjà des auteurs, des écrivains congolais qui ont fait du succès, Zaminga, il y en a eu plusieurs. Comme dans chaque domaine d'ailleurs, il faut juste une bonne politique. La politique du livre en RDC n'est pas très efficace parce que il n'y a que des individus, des particuliers qui s'en occupent. Cela montre une sorte de faiblesse parce que les individus peuvent bien s'organiser, mais sans l'appui de l'État, c'est un peu difficile d'avancer dans ce secteur-là. Le 23 avril est une date symbolique dans la littérature mondiale. C'est la date à laquelle plusieurs grands auteurs sont morts, tels que William Shakespeare, Miguel de Cervantes et autres. L'UNESCO s'efforce de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers les droits d'auteur. Et puis ces derniers titres, avant de prendre la revue de presse, l'Académie de Beaux-Arts a servi de cadre d'échange et de partage d'expériences pour le photographe venu de la France, du Congo-Brazzaville et ceux de la RDC. Dieudonné Junior et Angumba. Grande rencontre autour du photojournalisme en vécu du 21 au 22 avril 2023 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. 9 intervenants, tous photojournalistes venus de la France, du Congo-Brazza, de la ville-province de Kinshasa, de Lubumbashi et celui de Goma, ont partagé leur expérience professionnelle et scientifique sur le photojournalisme. En effet, le doctorant photojournaliste Jonathan Kamunga de Lubumbashi a montré comment fonctionne la photographie institutionnelle et à quoi elle sert et comment l'expliquer, en puisant sur son expérience acquise au rectorat de l'INULU où il se charge de la photographie institutionnelle. Nous avons partagé notre expérience, nos difficultés, comment nous surmontons ces difficultés-là. C'est ainsi que j'ai recommandé à l'Assemblée, chaque institution doit accorder une place immense aux photographes parce que le photographe, il ne fait non seulement des événements d'un passé qui ne passe pas, mais il est même le gardien de la bonne image de l'institution. 21e siècle, c'est un siècle de la photo. Les réseaux sociaux sans la photo, que devient les réseaux sociaux? Donc c'est un problème très compliqué au point où la photo elle est tellement au centre de tout. Nous avons des photos à la maison, nous avons des photos dans nos bureaux, nous avons des photos de photos. Mais quel est le message que cette photo-là veut véhiculer? Signalons par ailleurs que cette première rencontre a réuni les photographes professionnels et amateurs, voire même d'autres amoureux du savoir, pour partager de l'expérience et promouvoir le métier en République démocratique du Congo. C'est dans un climat de convivialité professionnelle et scientifique que se sont déroulées ces assises. Le photojournaliste est avant tout un photographe et donc un artiste. Je voulais mettre l'accent sur le fait que nous sommes artistes et qu'en tant qu'artiste, il fallait qu'au-delà de simplement faire des photos, qu'il y ait à chaque fois une touche artistique à ce que l'on fait, afin que même si c'est pour communiquer sur des événements, sur le quotidien ou sur ce que nous sommes en train de vouloir montrer par notre travail, qu'il y ait toujours cette touche artistique. Il nous partage son expérience
l'importance de la communication institutionnelle, la photographie institutionnelle, et voire même qu'il est double brassard, on va dire, en quelque sorte, parce qu'il fait à la fois et la photo et la vidéo, chose que personnellement je pense ne pas pouvoir faire, surtout que lors de même de certains mêmes événements, il doit faire les deux. Dans le développement de son sujet, il a été très concis et très, très scientifique même dans son approche, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et Jean-Pierre Ndolo nous a rejoint sur ces plateaux pour sa revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Premier titre de ta revue, il n'y a que par la force pour faire entendre raison à Paul Kagame, trans Adolphe Muzito, en parlant du président rwandais. Oui, dans la compréhension de la situation récurrente de crise qui mine la partie est de la République démocratique du Congo, écrit Econews, Adolphe Muzito, leader de Nouvel Élan et de l'AMUKA, n'a jamais changé de langage ni d'approche de sortie de crise. Invité le week-end du journal de TV5 Monde, Muzito a réitéré ce qu'il a toujours soutenu. Le Rwanda ne comprend que le langage de la force, avant d'ajouter, nous pensons qu'il faut faire la guerre au Rwanda et repousser les Rwandais vers leur territoire. Adolphe Muzito refuse que la RDC négocie avec le Rwanda, car selon lui, quand un petit poussin remplit une marmite, ce qu'il y a en dessous de son père ou sa mère, dixit Econews. Et puis, pas un seul centimètre carré du sol congolais ne sera cédé à qui que ce soit. Le force politique et sociale de Laurent Batumona répond à Paul Kagame. Jean-Pierre Ndolo, ce n'est pas du coup sur vous. Oui, sous la férule du coordinateur général Laurent Batumona, rapporte La Prospérité, les FPAU condamnent dans les termes les plus vifs les propos de Paul Kagame justifiant la guerre dans l'est de la RDC pour récupérer des terres rwandaises qui se trouveraient sur le territoire congolais. Elles réaffirment leur soutien en faveur de la récente prise de position du président de la République au sujet de négociations avec le M23. Dans cet élan patriotique, conclut le confrère, les FPAU ont tenu à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que le peuple congolais, dans toute sa diversité, n'acceptera jamais de céder un seul centimètre carré de son sol. Poursuivons votre revue de presse. Pendant ces temps, dans le territoire de Bagata, l'insécurité fait la loi. L'insécurité dans le territoire de Bagata, dans la province du Kwilu, clame Africa News, continue d'inquiéter. Dans certains coins du dit territoire, constate le journal, les villageois ne savent plus vaquer librement à leurs occupations à cause des incursions à répétition des hommes armés venus du territoire voisin de Kwamout, dans la province de Maïndombe. Devenue criante, l'insécurité qui bat son plein dans le Bagata demande une intervention musclée du gouvernement central. La plupart des hommes qui sèment la terreur dans cette partie de la province du Kwilu sont armés et forcent les jeunes à intégrer leur groupe. On termine, Jean-Pierre Ndolo, avec six titres, un clin d'œil à la vie de Papa Simon Kimbangu. Oui, dans un article intitulé « La deuxième vie de Simon Kimbangu », Média Plus Magazine peint la vie de celui qui a été à la base de la création de l'église kimbanguiste. Pour le confrère, l'avènement de la journée d'hommage à Simon Kimbangu est le résultat d'un long processus qui a démarré en 1960. En ajoutant le 6 avril au calendrier comme journée chômée et payée, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait justice à ce héros, si pas oublié, mais confiné dans une église que d'aucuns regardent d'en haut et la considèrent comme secte. Et là, puisque nous avons fini, nous allons faire comme à l'église qui m'a dit ce matin dominique. Merci beaucoup Gaëtan. Merci Jean-Pierre Ndolo pour cette revue de presse, fin de ce journal de la rédaction coordonnée par Jacques Kabouaba, Mukumine Seduga, réalisé par Atacha Machini et Mamita Bongula. On se quitte avec cet extrait de la chanson de Papa Wemba en hommage au roi de la Sapa. Très bientôt.